Coucou tout le monde. Hey, j'ai accès au palin aujourd'hui. Quand il a vu que je commençais à faire un petit peu de place sur mon bureau, il s'est dit, allez hop, chouette, je peux y aller, c'est pour moi. Ben non, c'était pas pour toi à l'origine, mais bon. Voilà. Mais on est obligé de faire avec. Hein, le chat. Voilà. Bon, allez, on va pas trop perdre de temps quand même. Aujourd'hui, je vous parle du courrier que j'ai reçu il y a déjà un petit moment. Du courrier qui est parti. Et je vous parle un peu de les vidéos à venir dans le même ordre d'idées que celles qui viennent de sortir la dernière. Jeune journal, pochette. Il va y en avoir plusieurs où, voilà, mis à part du papier, une règle, de la colle, il y aura besoin de pas grand-chose d'autre. On va se débrouiller avec vraiment le strict minimum. Allez, je commence. Le courrier que j'ai reçu. Un courrier de remerciement de Ghislaine qui me présente ses voeux, donc avec une superbe carte. Oh, et assortie à mon chat. Vous avez vu un peu? Super. Donc, superbe carte en monochrome, en blanc. Donc, cardstock, embossé, non embossé, un ruban, du croquet. Un magnifique flocon avec de demi-perles. Hein. Enfin, elle est vraiment superbe. Je te dis chapeau parce que moi, le monochrome, c'est à mes yeux quelque chose de très difficile à travailler. C'est trop simple. Il n'y a pas assez de choses. Je dis pas simple, c'est que c'est trop facile. C'est pas du tout ça, hein. Bien au contraire. Mais comment expliquer? C'est trop minimaliste. Ouais, on va dire ça comme ça. Oui, il n'y a pas assez de choses. À mon goût, hein. Mais ça, c'est magnifique. Donc, je te remercie, Ghislaine. Donc, Ghislaine, Gis GDG, pour celles qui la connaissent, plus sous son pseudo. Ensuite, elle m'a fait des petites enveloppes. Regarde, le rose te va très bien aussi, le chat. Avec des découpes. Merci pour tout. Donc, je te remercie parce que ça, c'est toujours quand j'en ai besoin que j'en ai pas forcément. Ensuite, on a joyeux et heureux anniversaire. Et dans la troisième. Bonne année et bonne santé. Voilà. Eh bien, je te remercie tout plein, ma belle. C'est gentil. Donc voilà, je l'ai reçu il y a déjà un petit moment. Et puis je me suis dit, je vais attendre avant de refaire de faire l'ouverture. Et puis je me suis dit, il n'y a pas, faut quand même que je la fasse. Bon, t'as fini de t'étaler là, le chat. Hein? Tu prends toute la place. T'es au courant? Dis. T'es au courant, tu prends toute la place? Alors ensuite, dans les courriers qui sont partis aujourd'hui. Et je suis à jour dans mes envois. Que ce soit dans mes vœux
ou dans mes envois d'embellissement, je suis à jour. J'espère n'avoir oublié personne. Surtout dans mes embellissements. Ma foi, dans les vœux, bon, bah, c'est grave, mais pas si grave que ça. Maintenant, dans mes embellissements, j'espère n'avoir oublié personne. Mon panier est vide, donc normalement, c'est bon. Si toutefois, quelqu'un n'avait pas eu son lot, bah, il met un petit mot et puis... Je ferai en sorte de rectifier mon erreur. Pourquoi j'ai du scotch plein partout. Alors, donc, est parti ce matin. Le courrier pour Marie Calac, Frimousse, Mickey, Mamie Jo, Bébé, les créatures de Bébé, Nat et Thomas, GG, BNM, et ma participation au challenge concours enfin pour Hélène Récré. Voilà, ça c'est parti aujourd'hui. Comme ça je vais pouvoir me remettre plus activement à mes créations importante. Et on va voir le chat. Donc mes créations plus importantes, c'est ma participation à l'anniversaire de Kat. Bon, je suis désolée Kat, hein, on est le 28. Mon projet n'est pas fini. Ça n'arrivera de toute façon, et encore même, il serait terminé. Il n'arrivera jamais à l'heure chez toi. Donc, c'est pas grave. Ça me laisse encore du temps, hein, de finir tranquillement. Le principal, c'est que, voilà, tu sauras que c'était pour ton anniversaire, mais que ben, tu ne l'as pas eu à temps. Que je participe n'a pas grande importance, c'est pas tellement le mot, mais voilà, je préfère que ce soit une de tes abonnées que moi qui ai une chaîne et qui est déjà beaucoup reçu, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis comme ça me laisse le temps de finir et ton projet et de voir celui pour Diego. Voilà, ça c'est fait, ça me laisse un mois de plus. Je voulais vous montrer ce à quoi je m'amuse en ce moment. Je ne sais plus de qui j'ai regardé la vidéo. Une américaine, de toute façon, vous dire laquelle je ne sais plus. Mais bon, elle faisait des tags. Donc j'ai ressorti toutes mes vieilles dentelles qui traînent au fond de mes tiroirs que je n'utilise pas. J'ai découpé des morceaux de tissu. J'ai dit voilà, je vais utiliser tout ce que j'ai et puis on verra bien. Je vais tout sortir et puis donc j'ai édité des images de Pinterest. J'en ai fait des tags. J'ai vieilli le tour. Bon, j'ai fait une couture. Hein, on voit bien là la couture derrière. J'ai collé une petite étiquette et voilà, ça fait un tag. Un petit mot, un remerciement dans un junk, enfin bref, voilà. Tout simple, vite fait. Donc il y a différents styles. Hein,
Alors, les tons verts avec un oiseau. Alors, nous sommes en 1935. Alors que je vous en montre les différents. Donc là, c'était sur une base de craft. Là, on est sur une base de blanc. Là, l'étiquette est craft. Il y en a qui sont vraiment très larges. Forcément, celui que je veux vous montrer, il va pas être là ou il va être à la fin. Bah, allez, voilà. Là, j'en ai fait un où en haut, j'ai fait un montage avec deux boutons pour reprendre la couleur des œufs. Ben voilà, je m'amuse à faire des tags. Comme ça, j'en ai d'avance. Bon, là, d'accord, j'avoue, j'en ai quand même pas mal. Celui-là, je le trouve magnifique. Et puis là, l'image était trop grande. Ça faisait vraiment trop grand pour un tag. Donc, du coup, je l'ai coupé en deux et j'en ai fait deux. Voilà. Donc, c'est vraiment tout simple. Si vous voulez un tuto, ça va être difficile parce que, bon, j'ai la couture. Après, on n'est pas obligé d'avoir la couture. On peut le coller. Faire l'effet fausse couture, alors, ou à la main ou avec un tampon. Ça donnera un style différent, mais voilà, le résultat sera le même. Et c'est pour vous donner une idée de décoration de tag. Alors après, je vais pas tous les laisser comme ça, hein. Je vais certainement en habiller certains, ou faire des pochettes, faire des y rajouter des petits calepins, enfin bref, je vais les décorer de façon à ce que ce soit en forme tag, mais que ça ne reste pas que un tag. Mais vous aurez bien l'occasion de voir tout ça. Sur ce, je continue donc à vous faire une autre petite série de tutos faciles, rapides, j'essaie. J'essaie, ce n'est pas forcément évident. Parce que il y a quand même des fois des choses. Pardon. Voilà, qui prennent un petit peu plus de temps, pas tant dans les pliages, les collages, mais la recherche de papier ou parce que moi je vous amène un travail qui est déjà à moitié mâché. Après vous, voilà, vous allez devoir quand même faire un certain petit travail de recherche de fabrication et de décoration. La déco, je la fais pas forcément avec vous, hein. Mais bon, à la base, c'est assez rapide. J'ai tout dit, je pense. Courrier reçu, courrier parti. Les vidéos. Et ben voilà, j'ai fait le tour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous.